Alors je suis là sur Oradour sur Glane, mon film en anglais ce sera beaucoup plus long. Et là où les Suisses ils ont massacré toute la population ici. Alors là il y a marqué 642 hommes, femmes et enfants assassinés, brûlés vifs, tirés dessus, organisés par des Suisses. Alors c'était le 10 juin 1944, financé par la Suisse et exécuté par les Suisses alsaciens. Alors là, vous pouvez voir tous ces enfants tués et financés par la Suisse. Et les Alsaciens, ce sont des Suisses, Das Reich. Alors vous voyez, il y a le hiéroglyphe du soleil. Regardez le pharaon sur. Ce sont eux qui font de fric avec. Vous voyez, tout le village a été brûlé, tiré dessus. Les enfants brûlés vifs. Tout par des Suisses. Regarde le film Enfer Suisse Satanique. Ça explique tout. Alors regarde le film Enfer Suisse Satanique pour comprendre comment les Suisses ils ont organisé, financé, exécuté tout ça. Parce que les Alsaciens, ce sont des Suisses ethniques. Là, il y a une poussette avec un bébé dedans. Apparemment, si je me souviens, ils ont brûlé vifs les enfants et des femmes ici. Les hommes, ils étaient poussés dans une grange. Et les Alsaciens, ils ont encore fêté, il y a 3 ans, l'anniversaire d'Adolf Hitler. Regardez ma film. Alors, regarde Enfer Suisse Satanique pour comprendre comment les Suisses, ils ont exécuté, financer et organiser tout ça. Alors ici c'est l'église, ça ressemble plutôt à un château. Merci la Suisse. Et ça perdure, ils financent le terrorisme en France, les Suisses, ça perdure. Ça vient des Templiers. Donc c'est ça le prix qu'on a payé, parce que les Français ils ont collaboré avec les nazis, avec Vichy, ils ont envoyé les Juifs, c'est ça le prix à payer. Et bien sûr, les Français, ils ont fait la même chose avec la division Charlemagne et Das Reich en Russie, tous les jours. C'est ça le prix à payer pour le peuple français de collaborer avec les nazis. Alors les Français, ils marchent tout ici avec un mime sérieux, quoi. Ils ont fait la même chose avec les Juifs. Alors pourquoi pleurer? Ils ont collaboré avec le génocide sur des Juifs et des Russes. Oui, c'est ça le Français. Ah, oui. Alors pourquoi pleurer? Vichy, Pétain. Maintenant, ils sont prêts à faire la même chose avec les Arabes. Hein. Ah. Levez-vous contre les Suisses, je vous dis, contre le pouvoir. Ouais. Alors je répète encore une fois, pendant la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, des centaines de milliers de mercenaires suisses, ils ont fait un génocide contre les Français qui habitaient dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et ils ont massacré 95% de la population. Et après, ils ont dit à leurs cousins du Bernerobaland, mais ça y est, c'est libre, vous pouvez vous y installer. Donc, ceux-là qui ont fait ça, les Alsaciens, mais ce sont des Suisses ethniques, qui ont financé Adolf Hitler, qui financent le terrorisme en France. Et maintenant, il y a 3 ans, ils ont célébré l'anniversaire d'Adolf Hitler dans le Sungau. Ils étaient agressés par un néo-nazi. Le procureur, comment il s'appelle, Sey, il me traîne devant la justice. À cause de ces nazis, alsaciens et suisses. Et ça perdure aujourd'hui. Et j'ai besoin de l'aide. Mais comme vous êtes tous des hypocrites dans ce pays-là,
la France, hein, je connais bien la France, hein, l'hypocrisie pure, plein de beaux parleurs, hein. Mais je sais, il n'y a personne qui va aider, hein. Voilà. Et je vous dis, si vous ne vous levez pas, ça va finir comme ça. Oh, ce truc-là, ça ressemble à un swastika. Ceux qui ont financé la guerre, ils font de l'argent avec maintenant. Comme toujours, il y a Isis qui surveille tout ça, nos maîtres, hein, qui l'ont exécuté en tout cas. Comment alors? Allez, laisse-moi tranquille là parce que j'ai fâché. Ça c'est Alsace, hein, tu voyez comment ils sont. De l'Alsace, regarde comme ils sont agressifs, ces gens-là. Écoute, quelque chose, pour rien du tout. Sur ma vie, je vais leur coller. Mais oui, tu vas me coller une. Ah. Mais fais-le, oui, fais-le encore. Oui. Dégage, vous voyez, ça c'est, dégage, ça c'est Alsace. Ça c'est... Ça c'est l'Alsace. Fais-le encore. Fais-le encore. Il va faire l'homme, on va t'en prendre. Arrête, arrête. On va t'en prendre. Casse-toi, ça c'est l'Alsace. Ça c'est l'Alsace aussi. Donc on est à Ilkirch. C'est le 10... C'est le 10... Je te jure, je t'en prends. Oui, oui, oui. Ok, ok. Allez, viens. Ok, viens, 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 viens. Viens. Vous avez vu, c'est l'Alsace. Il t'agresse pour rien. Absolument pour rien du tout. Et ici dans le village, ça s'appelle Ilkirch Grafenstein. Ils ont. Je ne vais pas riposter, hein. Parce que quand tu ripostes, c'est comme en Suisse. Ils s'organisent tout ensemble. Ici, c'est la Suisse. Vous voyez, et il y a 4 ans, ils ont fêté l'anniversaire d'Adolf Hitler ici. Et ils ont fait cet énorme massacre à Oradour-sur-Glane. Et ça n'a pas la peine de riposter, hein, parce qu'ils ont des frères et des sœurs dans la police, comme le procureur là, Richard Say, ou c'est quoi son nom, où j'ai enlevé ma bagage. Extrêmement agressif pour rien du tout. Alors pour rien du tout. Je pense que ce mec, ce chien, ils m'ont aboyé une fois et j'ai dit mais calmez-vous, c'est tout. Et ça suffit. Donc c'est à côté de Nestlé Suisse ici. Donc c'est comme ça, il y avait de. Vous voyez, c'est Hertha, à côté de Hertha, Nestlé. Il t'agresse ici pour rien. Parce que c'est leur territoire avec leurs chiens, je ne sais pas quoi. C'est comme ça, il y avait des Alsaciennes à Auschwitz, et dans des camps de concentration. Et ils se sont agressés comme ça, aux Juifs et aux autres. Et ici, ça vit, hein. Oh là 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 là. Il faut que la police, la justice, ils font quelque chose là-dessus. Ouais. Ils sont très dangereux. C'est le berceau du nazisme en France. Vous l'avez vu, hein. La dame avec des tatouages, comme un mec qui t'agresse. Si elle aurait su de quoi je serais capable. Pareil avec ce prof de boxe, je suis capable de beaucoup plus, de me défendre, mais il faut mieux pas le faire, il faut subir, voilà, prendre la caméra, même ça c'est interdit. Hein. Ouais. Alors ici, après l'agression, comme toutes les lois en France, ils sont au service pour madame, parce qu'elle a une alliance avec le pouvoir suite à l'époque du droit de cuissage. Elles ont fait une alliance avec nos seigneurs
Et c'est pour ça, quand tu ripostes en étant d'homme, ah mon cher, mais tu vas en tôle, hein. Tu peux même pas le filmer quoi, quand tu es agressé. Mais les femmes, elles se permettent tout. Surtout ici en Alsace. Et après ça sera de nouveau les malgré nous. Non, on n'a rien fait, non, non. Oh non, 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 ben non, on est tout propre, comme les Suisses. Alors, chers Alsaciens Suisses, je ne vais pas oublier. J'oublie pas mon ennemi et j'oublie pas mon ami. Je vous connais. Rien sera oublié. Alors, vous voyez, propriété privée, accès interdit. C'est ça l'Alsace. Tu penses que ce sont des bâtiments, tu peux passer, tout le monde peut passer, les Alsaciens, oui. Donc c'est là où il y a eu des agressions par des Alsaciens. On se retrouve ici comme pendant la Seconde Guerre mondiale avec le malgré nous. Accès interdit. Donc là aussi, c'est partout. Propriété privée. Ah, ils peuvent même pas le faire, je pense. Quai de Lille. Donc je voulais en avoir accès à la rivière, mais tu peux même pas. Alors je dois faire un détour. Suite aux lois de malgré nous, 2018. Et vous avez vu des agressions. Hein? Et ce qui s'est passé là avec 200 néo-nazis qui ont fêté Adolf il y a 4 ans dans le Sungo en Alsace. Et encore, il faut bien regarder, hein, parce que quand un enfant qui regarde pas bien, mais il sera tabassé ici. Tu vois, donc c'est là où je voulais aller, à la rivière. Et les Alsaciens, mais ils sont bien dans leur décapotable, bien sûr, Volkswagen, la voiture d'Adolf. Ouais. Bon, je suis arrivé, je vis encore, mais c'est super. Donc ici à Illkirch Grafenstaden. Grafenstaden, Graf, ça veut dire le duc. Donc en fait, c'est le littoral, je dirais, la Corse, méditerranéen, l'Atlantide. On va interdire le littoral aux Alsaciens. Allez voir comment ils réagissent, et surtout elle, parce que c'est Suisse. Coupons le littoral aux Alsaciens, comme ils font ici. Donc encore le littoral alsacien, c'est un miracle que je peux passer ici. Et en fait, en France, c'est la police, la justice, la civilisation, c'est tout au service pour madame. Il y a une véritable guerre contre le patriarche, c'est une des raisons qu'ils ont tué les juifs, ils vont tuer ceux-là. Ils sont aussi patriarcales. Donc voilà, tout au service pour madame. Elles ont une alliance. Et les flics, ils sont même pas là. On l'entend, on les entend. Mais ils ont même pas un email. Ils ont pas rejoignable. Comme ils ont encore dans un autre siècle. Sauf. Mais il faut mieux se laisser tabasser par une femme que de riposter. Hein? Je comprends les musulmans, je les comprends. En fait, ici, là, à Strasbourg, les Arabes, ils étaient les plus gentils, je trouve, par mon passage ici, là. Pas les Alsaciens, hein. Oh là 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 là. En plus, j'avais tout ça autour de mon cou, là, 30 kilos. Donc, ce fasciste-là, alsacien, m'a utilisé comme un balle de boxe. Et tout ça a permis, par ces lois françaises qui ont été faites par tous ces politiciens corrupts et toutes ces francs-maçons partout au poste clé, ça a laissé la porte ouverte à toutes sortes de violences, etc. Toute cette déchéance. Peut-être c'est en plus, c'est encore une lesbienne avec tous ces tatouages. Mais bravo la France, hein. Je vais rien oublier. Vous êtes tous de beaux parleurs en tout cas.
les personnes qui font ici quelque chose, vous laissez faire tout ce fascisme-là, ces Alsaciens. Et vous avez fait, vous avez vu, hein, mais j'ai rien fait. C'est la violence de ces Alsaciens. Et voilà. Je vais pas oublier, hein. En fait, c'était pareil que l'autre agression de ce néo-nazi prof de boxe. En plus, ce sera encore toi qui sera traité de traîner devant la justice. Vous avez vu que je me laisse taper tout le temps, par des Suisses, par des Alsaciens suisses, tout le temps. Quelle horreur ce monde-là. Et ce sont des Suisses ethniques, ces Alsaciens. Vous avez vu, hein, tu dois te sentir comme un juif dans un camp de concentration avec ces gens-là. Donc là, j'ai fait le stop, j'avais même pas envie de rester là-bas parce qu'ils s'organisent. Voilà, chassé par de la France par ce fasciste alsacien.